Bonjour Philippe, bienvenue à l'Innovore, merci d'être venu parmi nous. Votre innovation, alors on a fait une volaille au mori, vous l'avez soudée dans votre appareil. Et alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce produit-là. Eh bien, c'est une équipe d'ingénieurs suédois qui ont mis au point une barquette originale qui s'ouvre par le fond. Voilà, une fois que la barquette a été remplie, operculée. Elle facilite le dressage sur assiette. Tout le travail délicat que vous avez fait pour disposer dans la barquette, on va essayer de le retrouver sur l'assiette telle quelle. Donc, là, on est en mode dressage. Eh bien, on l'ouvre. Donc, on décroche la languette ici Oui. et On la tient bien. on la tient bien. Voilà. OK. Voilà. C'est parfait. On peut faire une petite décoration autour, rajouter effectivement On un a peu de sauce, mais on retrouve dans l'assiette la présentation telle qu'elle était faite initialement. Très bien. Vos clients principaux sont? Alors, nos clients principaux sont dans le secteur de la restauration collective, beaucoup de restaurations hospitalières. D'accord. Dans la restauration commerciale, tous les restaurateurs qui ont développé une activité de vente à emporter, donc destination des Ou de consommateurs. liaison froide avec un dressage différé, Exactement, comme le traiteur comme événementiel. le traiteur organisateur de réception. D'accord. Ce sont les trois grands types de clientèle. Je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, il y a un marché pour l'hôtellerie de luxe, le room service. C'est souvent des problèmes de remise en température, mais aussi de dressage, où là, on peut avoir un dressage à 80% fini. Soit l'hôtel a son propre restaurant et en fin de service, le chef peut très bien confectionner une dizaine de plats du jour dans la barquette. Et puis n'importe quel employé de réception, la nuit par exemple, va pouvoir mettre au micro-ondes la barquette et puis aller la porter aux Au client. clients qui arrivent tard. Moi, je dis que vraiment, c'est une très belle innovation. Non. C'est pertinent, il y a plusieurs usages. Ça ne dévalorise pas l'offre. Ça amène une nouvelle solution à l'offre. Donc, moi, je dis bravo, Ouais. c'est réussi. Très belle innovation. Bon, à bientôt sur l'Innovor. Au revoir, Philippe. Merci, Edmond. Au revoir. Merci.